Sur la pelouse du Stade Rennais, les joueurs s'apprêtent à affronter leurs rivaux brestois. Deuxième dans le classement de Ligue 1, Rennes affiche un bon début de championnat. Alors forcément, côté supporter, l'enthousiasme est là. Bon, ça va être facile, un petit 3-0, ça serait sympa, non? De son côté, Brest espère tirer son épingle du jeu. Remontés en Ligue 1 cette année, les Brestois doivent encore s'affirmer dans la compétition. Il y a des joueurs qui, comme on en a déjà parlé, qui sont encore un peu timides face à la Ligue 1, d'autres timides un peu face aux supporters adverses. C'est aujourd'hui le derby d'un gros club bien structuré qui est là en Ligue 1 depuis pas mal de temps, contre le retour de Brest en Ligue 1. Donc il y a le gros contre le petit. À nous de montrer que voilà, on a aussi des qualités dans cette équipe. Et à la maison, en plus avec le soutien des supporters, on aura aussi notre carte à jouer. Donc faut pas non plus les craindre. On va les respecter, mais sans les craindre. Pour Rennes comme pour Brest, un même objectif. Oublier leurs défaites respectives face à Nîmes et à Nice en quatrième journée de Ligue 1. Il y a aussi pour eux comme pour nous la nécessité de se rattraper du dernier match et de deux résultats qui n'ont pas été positifs. Donc j'imagine qu'on va avoir une réception intense, engagée, comme dans tout derby. Et comme à chaque fois qu'une équipe qui a pris une assez lourde défaite à l'extérieur a envie de se racheter à domicile. Un match donc très attendu des deux côtés, qui se disputera à guichet fermé.